Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien. Écoutez, cette guidance, c'est une guidance un peu particulière, c'est une guidance intemporelle qui est dédiée aux personnes qui sont en lien d'âme, voilà, aux personnes qui sont dans un parcours dit flamme jumelle, aux personnes en fait, voilà, qui sont actuellement en séparation. C'est-à-dire que là, actuellement, vous ne voyez pas votre autre et il est en chemin, voilà, et vous êtes en chemin également de votre côté. Donc on va aller sonder le lien, voir ce qui se passe actuellement sur le lien, dans quel état d'esprit est votre autre, donc le runner, et dans quel état d'esprit vous êtes, le chaser. Alors c'est plus facile pour moi de le prendre dans ce sens. Alors juste pour vous rappeler, donc le chaser, c'est celui qui porte en lui en fait les mémoires en fait de ce lien, et c'est celui qui se reconnecte en premier et qui va avoir plutôt une polarité yang et qui va plutôt en fait aller vers son autre. Et votre autre, ben, c'est celui qui a plutôt la polarité yin et justement qui pour l'instant fuit le lien. Voilà, donc on va aller sonder comme ça un peu les cartes et voir quels sont les messages qui peuvent nous être délivrés ce soir. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, et donc si ça vous parle, vous le sentirez, votre corps vous le dit. Si à contrario ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, vous revenez en fait sur une prochaine guidance et puis après on fera, je me mettrai côté runner. Là ce soir je parle pour vous côté chaser et votre autre c'est le runner. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer par sonder le lien. Alors, on va voir quels sont les messages sur le lien. Je vais le prendre dans l'autre sens. Parfait. S'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages pour le lien? Je prends la première. S'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? Quels sont les messages à délivrer pour le lien? On parle de vie antérieure. Quels sont les messages à délivrer pour le lien? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, est-ce que j'ai un autre message? Ok, je vais... Alors, côté chaser, pour vous. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour ceux et celles qui ont une polarité de type yang, quels sont les messages? Allez, quels sont les messages? Allez, on continue. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? On parle d'amour inconditionnel. Y a-t-il un autre message pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Je vais les faire comme ceci, côté runner. Allez, quels sont les messages de votre autre? Toi. Si votre autre devait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ok, on s'en va parler, oui. Forcément. Allez. Pour les polarités, j'en ai beaucoup trop. Je vais en prendre un autre. Allez. Dernier message de votre autre. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, donc sur le lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Sur le lien, oui.
beaucoup de pensées négatives qui peuvent aller autant de votre côté que du côté de votre autre. Donc forcément, ben ça va créer en fait des blocages, ça crée des peurs, des incertitudes. Des blocages qui peuvent être liés justement en fait à des blocages énergétiques, des choses que vous avez pu vivre en fait dans d'autres incarnations et qui n'ont pas été réglées et qui reviennent en boucle. On est donc sur un travail en fait ici de l'âme où l'âme justement vous demande de venir régler en fait ici ces blessures. Il y a des blessures que je ressens encore comme des plaies ouvertes et on vous demande de venir travailler sur ces blessures. Il y a une recherche de pacification, mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, de dépasser, en fait, ici, ces blocages. Voilà. Alors, je sens que il y a comme un essai, voilà, on essaye, en fait, d'aller au-delà de ces blocages. Pour autant, ça reste, voilà, ça reste compliqué. Et vous avez, il y a des doutes, il y a des doutes et des peurs qui ne sont pas levées. Quelque chose qui remonte quand même sur de l'ancien. Quelque chose qui remonte comme une pulsion comme ça et quelque chose pour l'instant voilà, qu'on n'arrive pas à maîtriser, que vous n'arrivez pas à maîtriser et que votre autre n'arrive pas à maîtriser. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit quand même que vous progressez, que vous avancez en fait à votre rythme. Voilà. Que ce qui se passe actuellement, c'est ce qui est juste pour vous. Voilà. C'est comme si vous avanciez pas à pas, step by step. Alors, j'ai la carte de l'élévation, mais à l'envers. À l'envers. Alors, on va la laisser comme ceci, puisque pour l'instant, sur toute cette partie comme ça de pacification, d'élévation spirituelle, pour l'instant, il y a une progression, mais qui reste, qui se fait pas à pas. Voilà, qui se fait pas à pas. Parce que là, ici, il y a des gros blocages pour l'instant. Alors, on va aller voir de votre côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par le lien, certainement, parce que du coup, en fait, il y a ces blocages comme ça ici qui sont plus importants. Vous, ce que vous souhaitez, c'est les retrouvailles, hein? C'est aller retrouver votre autre, le sentir, voilà. Pas que le sentir dans la 5D, le sentir également dans la 3D. Vous ressentez son manque, vous ressentez cette absence. Okay. Il y a un vide qui se fait, ouais, il y a un vide en fait qui se fait ici en vous, sur votre partie ici pour l'instant. Vous êtes sur une blessure d'abandon. Et il y a comme en fait, comme un espèce de vide, comme si au niveau en fait du chakra sacré, vous aviez comme une plaie, comme quelque chose qui est ouvert et que vous avez besoin de combler comme ça. Et on vous dit que avant de combler ce vide, voilà, c'est vous qui devez déjà vous remplir vous-même. Voyez? Pour vous sentir unifié déjà à l'intérieur de vous. On vous parle d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour pour soi, de se prioriser d'abord. Alors, j'avais cette carte qui était à l'envers. Alors, la sereine se pardonne. Non. Je pense que pour l'instant, vous tournez en boucle aussi.
tourner en boucle en fait ici sur les événements. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû répondre ceci? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Stop. Stop. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Vous avez besoin justement de retrouver cette sérénité. Et cette sérénité, vous la trouverez d'abord en vous, pas chez votre autre. C'est d'abord en vous. Et c'est qu'ensuite, après, énergétiquement, vous pouvez lui envoyer en fait ce flux comme ça d'énergie, de sérénité. Une fois que vous avancez, lui, votre autre, il va pouvoir avancer. Mais vous, pour l'instant, il y a déjà en fait cette blessure, une grosse blessure comme ça d'abandon, et un gros travail à faire en fait ici sur le pardon, sur le chakra du cœur, sur l'ouverture. L'ouverture à soi d'abord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous dit que vous êtes bien concerné en fait ici par ce féminin sacré, par cette dominante yang, hein, cette envie comme ça que vous avez d'aller vers votre autre. Mais pour l'instant, l'envie, vous devez la prendre ici pour vous, pour travailler sur cette blessure d'abandon. Cherchez d'abord à se remplir soi, comme dans une coupe, avant de donner aux autres. On attend déjà que la coupe soit pleine. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut se remplir soi d'abord. Ensuite, après, on peut donner aux autres. Il y a beaucoup de résistance. Et je sens que c'est beaucoup plus, voilà, l'ego. C'est l'ego qui fait de la résistance. C'est l'ego qui a envie de parler. C'est l'ego qui a envie de dire non, j'y vais. Non, ça ne devait pas être comme ça. Non, 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 non. Il y a cette partie comme ça. Le rôle de l'ego, c'est comme si l'ego essayait comme de vous protéger. Vous voyez, en fait, il remplit son rôle. Voilà. Et vous, votre travail, justement, ben, ça va être comme ça de lâcher cet ego, de lâcher prise. Puisque si vous ne lâchez pas prise, l'ego, en fait, c'est toute la construction en fait de nous depuis l'enfance, où on se forme des fois un masque. Hein, voilà. Et il y a cette partie comme ça qui va nous faire avancer. Et l'ego, des fois, croit qu'il nous protège. Non, des fois, il nous dessert. Donc il y a toute cette partie aussi, vous voyez, de lâcher prise. D'arrêter de se culpabiliser. Votre objectif à vous, c'est d'aller vers cette réunion, d'aller vers ce couple sacré. Cette reconnexion comme ça avec votre âme sœur. Cela ne peut passer que par l'amour inconditionnel de vous d'abord. De travailler sur cette blessure d'abandon et de lâcher prise comme ça avec l'ego. Blessure d'abandon et l'ego. Voilà ce que j'ai. Ce que j'ai pour vous en message. Pour vous, côté chaser, polarité yang, voilà. Ceux qui ont envie d'aller vers leur autre. Alors, c'est un peu particulier, hein, j'ai commencé par le lien, mais j'ai compris, hein, pourquoi j'ai commencé par le lien. Parce que pour l'instant, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées négatives. Pour l'instant, vous en émettez beaucoup. Et en fait, ça contracte le lien. Il faut relâcher, souffler, s'ancrer, respirer.
On va aller voir côté runner, pardon. Votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Votre autre, il sait que c'est vous. Il vous dit, c'est toi. Je t'ai reconnu. Je sais que c'est toi. Votre autre, il a envie de vous dire, mais ne m'attrape pas. Lâche. Vous voyez cette photo, enfin cette image avec cette femme comme ça qui prend un lasso et qui essaye de le prendre. Mais plus il y a cette action et plus votre autre justement va fuir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit lâche le contrôle, lâche-le. Arrête. Arrête. Il sait aussi que vous êtes sa chance. Il sait aussi qu'il y a cette connexion particulière entre vous. Et que même si pour l'instant vous n'êtes pas réunis encore dans la 3D, okay, il y a ce flux déjà qui s'est créé entre vous, ce flux d'énergie. Et même si vous êtes actuellement en séparation, je veux dire, on est toujours connecté à son autre. On le ressent, on sent qu'il est là. On sent ses énergies, on sent en fait quand il a peur, on sent que, on le sent en nous, notre corps nous le dit. Et votre autre, il vous a reconnu. Il sait que vous êtes son autre. Mais pour l'instant, il ne peut pas. Il ne peut pas venir vous voir. Il n'y arrive pas. C'est au-delà de ses forces. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Et pourtant, il a envie de vous voir. Il a envie de vous parler. Il a envie de le faire. Mais il n'arrive pas à passer le cap. Il n'arrive pas. C'est un statu quo. C'est virtuel. Il n'y a pas de rencontre physique. Ce n'est pas possible. Pas maintenant. Il garde espoir. Il a foi. Il a foi en vous. Il sait que c'est vous sa chance. Il le sait. Mais pour l'instant, il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Il faut vous. Côté de Chaser, que vous puissiez lâcher ce contrôle. Il faut lâcher. Ça commence d'abord ici, par vous. Votre autre a conscience que c'est lui la clé. C'est lui la clé pour pouvoir vous réunir. C'est lui qui détient les solutions pour pouvoir venir vers vous. Mais avant de venir vers vous, il a déjà ce travail à faire en fait ici où il se stabilise. Il est en train de jongler. Il se sent perdu, votre autre. Il se sent perdu. C'est compliqué pour lui de prendre des décisions. Il n'y arrive pas, tout simplement. Il n'y arrive pas. Du temps. Il faut du temps. On va aller voir la dernière carte. Excellent. Moi. Vous avez vu? On commence par vous, par toi. Et on termine par moi. Votre autre, il sait qu'il est, il sait qu'il fuit. Il le sait. Il le sait, ça lui fait mal. Il le ressent. Ça le rend triste. Ça le rend triste. Mais pour l'instant, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Tout part de vous. Lâchez le contrôle. Lâchez l'ego.
Je vais prendre une dernière carte pour le lien. Et ce sera la fin de la guidance. Allez. Désespoir, accablement, impuissance. Pour l'instant, il faut accepter sur le lien. Hein, il faut accepter d'être, de ne pas pouvoir faire quelque chose. C'est pas le bon timing. C'est pas maintenant. Là, vous ne pouvez rien faire. Là, vous êtes impuissant. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est ici. C'est là. Allez, juste une dernière carte pour vous. Un dernier conseil. Elle a sauté. Pardon, je rigole, mais... Eh oui, on revient sur ce désir de rencontre. Mais sauf que la rencontre, ça ne va pas venir comme ça. Ça ne va pas venir avec un claquement de baguette magique. Hein? Abracadabra, non. Vous, le féminin sacré, vous avez ce travail en fait ici sur le pardon. Commencez d'abord à se pardonner soi. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez d'être en lutte avec votre ego. Et le conseil des guides ce soir, c'est d'essayer déjà de se remplir soi avant d'aller le chercher chez votre autre. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Comment ça vous parle dans la situation dans laquelle vous êtes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à très 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 vite. Ciao, ciao.